Je m'appelle Barbara Chapira, je suis mathématicienne au laboratoire de maths à l'Université de Rennes 1. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment distinguer les trois grandes géométries des surfaces à l'aide de disques et de triangles. Alors, nous allons commencer par la géométrie qui vous est la plus familière, la géométrie du tableau, la géométrie de la table, la géométrie de la feuille de papier, géométrie que les mathématiciennes appelleront géométrie euclidienne. Alors, nous la connaissons bien. Par exemple, si nous avons un triangle, nous savons que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Nous savons également, par exemple, que si nous avons un disque bordé par un cercle, eh bien, le périmètre du cercle vaut 2π fois le rayon et l'aire du disque vaut π fois le rayon au carré. Alors, passons maintenant à la géométrie de la sphère, qui est la géométrie de la planète Terre, bien connue des marins, des aviateurs. Alors, je voudrais la comparer à la géométrie plane. Alors, je prends par exemple un disque plan et je vais essayer de le comparer avec un disque sphérique. Pour cela, je vais essayer de l'étaler sur ma sphère. Alors, évidemment, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait des plis. Qu'est-ce que je peux déduire de ces plis? Eh bien, je peux déjà en déduire que l'aire du disque sphérique, eh bien, elle va être inférieure à l'aire du disque euclidien. C'est-à-dire que l'aire d'un disque sur la sphère est inférieure à pi fois le rayon au carré. Je peux également en déduire, toujours de ces plis, que le périmètre du disque, du cercle sphérique, est inférieur au périmètre du cercle plan, c'est-à-dire inférieur à 2π fois le rayon. Je peux également, sur cette sphère, m'intéresser au triangle. Alors, par exemple, voici un beau triangle qui a 1, 2 et 3 angles droits. 3 angles droits, soit 3 fois 90 degrés, ça veut dire que sa somme des angles fait 270 degrés, donc bien plus que 180 degrés. En fait, on peut également montrer que sur la sphère, n'importe quel triangle aura une somme des angles plus grande que 180 degrés. Alors maintenant, on va s'intéresser à une troisième géométrie qui vous est sans doute beaucoup moins familière, la géométrie que les mathématiciens appellent géométrie hyperbolique, qui est encore la géométrie de la selle de cheval. Alors, même procédé, je vais prendre mon disque plan et je voudrais le comparer à un disque hyperbolique, un disque de ma selle de cheval. Alors, j'essaye de l'étaler et là, ce qui se passe, c'est que je n'y arrive pas. Si j'essayais de forcer un peu, ma feuille se déchirerait. Alors, plutôt que de la déchirer, je prends un disque qui est déjà prédéchiré ou prédécoupé. Et qu'est-ce qui se passe si j'essaye de l'étaler bien à plat? Eh bien, vous voyez qu'il y a des petites fentes qui apparaissent. C'est-à-dire que mon disque, mon disque plan euclidien n'arrive pas à s'étaler proprement, il manque de matière. Quand j'essayais d'étaler un disque plan sur la sphère, il faisait des plis, il avait trop de matière. Quand j'essaye d'étaler un disque plan sur la selle de cheval, eh bien, il y a des trous, il manque de matière. Ce qu'on peut en déduire immédiatement, c'est que l'aire d'un disque de la selle de cheval, l'aire d'un disque hyperbolique, est plus grande que pi fois le rayon au carré. De même, le périmètre d'un disque hyperbolique, le périmètre d'un cercle, est plus grand que 2π fois le rayon. Nous allons illustrer ça, pour conclure, d'une manière légèrement différente. Je vais prendre des petits triangles équilatéraux que je vais coller bord à bord. Si je les colle en prenant 6 à chaque sommet, eh bien, vous observerez que j'obtiens cette figure plane, qui est encore un pavage du plan par des triangles hyperboliques, des triangles équilatéraux. Si j'en prends cette fois-ci moins de matière, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 6 triangles équilatéraux en chaque sommet, j'en prends 5. Si j'assemble mes triangles 5 par 5, eh bien j'obtiens ce magnifique polyèdre qu'on appelle l'icosaèdre régulier, dont la géométrie ressemble assez fortement à celle de ma sphère. Si maintenant je décide non pas de prendre moins de matière que pour mon pavage plan, mais plus de matière, et que j'assemble mes triangles équilatéraux 7 par 7, c'est-à-dire que j'en mets 7 en chaque sommet. Eh bien, dans ce cas, j'obtiens cette magnifique surface qui est une surface hyperbolique, qui a la même géométrie que la selle de cheval. Je vous remercie.